Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Nous avons des étrangers parmi nous, c'est ça là, hein? Hein? Vous savez qui ils sont? Vous savez qui ils sont? Qui veut nous dire quelque chose? Qui veut nous dire quelque chose? Vous avez dit oui, vous savez qui ils sont, non? Hein? Bien. C'est une association. Hein? C'est une association des femmes. Des femmes handicapées. Vous savez ce qu'on appelle des handicapés? Hein? Des femmes handicapées. Vaillantes, battantes du Togo. Hein? Association des femmes handicapées, vaillantes et battantes du Togo. Donc c'est cette association-là qui est venue ce matin, qui a pensé à vous. On sait que vous êtes nombreux dans l'établissement. Cependant, ce n'est pas tout le monde qui est sorti. C'est une partie, ce qui veut dire que, en quelque sorte, vous aussi, vous avez les mêmes problèmes, presque, que... C'est ça, non? Hein? On a choisi aussi dans l'école les enfants déshérités, orphelins, que vous êtes. Donc, l'association a pensé à vous. Elle est venue ce matin pour vous offrir certains matériels. Est-ce que vous voyez maintenant? À savoir vraiment beaucoup de choses. Donc je vais lui laisser la parole. Elle viendra elle-même se présenter. Je vais vous prier de l'accueillir avec une grande acclamation. On a compris? Oui. Lorsqu'elle va se présenter, accueillez là avec une grande acclamation. C'est d'accord? Bien. Ça, madame. À aller de l'avant, à
ne pas se sentir délaissé, faible, à bien travailler à l'école. Vous m'avez écouté? Ok. On est venu avec ce petit cadeau pour vous encourager. Hein? Et respecter aussi la distanciation ainsi que les mesures barrières du Covid. Vous connaissez la maladie qu'on appelle Covid? Oui. On appelle ça communément coronavirus. Ça tue, non? Oui. On va éviter ça pour ne pas que nous mourons, non? Ok, c'est pour cela l'association vous a amené des cache-nez pour secourir vos cache-nez. Vous nous en avez tous, non? On va encore donner pour que vous avez au moins deux. Arrivé à la maison, vous l'avez un, vous amenez un à l'école et le lendemain, vous l'avez l'autre, ainsi de suite. C'est compris? Oui. Ok, merci à tout le monde. Je me nomme Kenvi Ekoué. Je suis le directeur de cette école qui est l'EPP à la Pamé Nord. Nous nous retrouvons dans l'impression pédagogique Lomé Aéroport. Et je tiens sincèrement à remercier Madame la Présidente de l'association des femmes handicapées, vaillantes et battantes du Togo. Aujourd'hui, cette association a pensé à notre école, surtout aux enfants nécessiteux et orphelins. Et elle est venue avec différents cadeaux, de savon liquide, de masques qui sont venus distribuer à nos enfants. Sincèrement, ça nous va droit au cœur. Nous tenons au nom des élèves nécessiteux, au nom de leurs parents et au nom de l'école en général, nous tenons à les remercier sincèrement du fond de nos cœurs. Que Dieu les rende sensibles pour tout ce qu'ils viennent de faire. Nous les supplions également de toujours penser à nous au cas où le besoin se présente. Donc, une fois encore, merci à eux. Merci Madame la Présidente. Et nous vous prions de transmettre nos remerciements à toute votre association. Merci beaucoup. Je suis Madame Kobi Adakou Victoire.
je suis la présidente de l'association des femmes handicapées vaillantes et battantes du Togo. On est venu, l'association est venue ce matin rendre visite aux enfants nécessiteux de l'école de EPP à Dakmane Nord. C'est l'école qu'on a ciblée dans nos secteurs, qu'on a vu qu'il y a plus des enfants nécessités ici. C'est là où l'association a décidé de faire un geste avec des petits cadeaux aux enfants par rapport aux mesures barrières de COVID-19. Donc on a amené des bavettes, des lave-mains, des savons liquides et d'autres choses aussi. Juste pour secourir les enfants parce qu'ils en ont, ceux qui en ont un n'arrivent pas à le rendre si propre pour éviter de tomber malade. Donc ce qu'on a amené, c'est pas beaucoup, mais ça peut les secourir, ça peut et aussi les aider. Parce qu'on a fait le tour dans tout à Dakpame, c'est cette école qu'on a vu qu'il y a plus des enfants nécessiteux. On a vu le comportement des enfants d'abord, on a approché le directeur pour voir par rapport à d'autres écoles qu'on a approchées. Cette école a plus d'enfants nécessités que les autres. Notre association est une association des femmes handicapées, vaillantes et battantes du Togo, qui a été créée le 7 novembre 1991 à l'Union Togo et qui travaille par rapport aux femmes handicapées qui sont coincées à la maison, qui ne veulent pas sortir. On fait plus de sensibilisation, on motive les femmes handicapées à sortir, à travailler, à faire quelque chose pour ne pas être indépendant des autres. Toute personne peut adhérer à l'association. Les personnes handicapées, auditives, moteurs, visuels et même les personnes valides qui veulent travailler pour les personnes handicapées. Vous pouvez contacter l'association sur le 90 13 57 14. Bonjour Nambé, Monsieur Akalo Kokoubi, CM2 Métitia. Le EPP à Dakpame Nord. Nous décagnons à MIHO, association des femmes handicapées battantes, les Niamé Pame. Au bas, au sort, nous n'avons pas besoin de bio, de vie, de vie, de vie, de famille d'accueil. Alors, on a un peu de la situation, c'est dans l'environnement. On va au sort cachiné, gel, au sort nous vannes de Dieu, on va sortir peu loin ici. Mais nous avons un que ce soit dans les lesquels on y a le coronavirus, alors COVID-19 est là. Et magalé de Biao, alors de Biao on va bien. On va de Biao sur Bobine et nous allons courir va. Nous avons un peu de temps, nous avons un peu de wakata nous avons un peu de temps, 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 nous Akmena nikaka ko studio kata ko nkolo udonya meti cho ko se nko mo muke mi ona mi ami mawo ero akmena nikaka ma one ira ni mi aga ko ere te ko ko ni bana nya La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise
et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.